C'est GasFR9, aujourd'hui je vais vous présenter ce deck double flux avec un archer magique et une tornade, donc un deck assez spécial. On est parti directement dans la première game. On est parti contre Zedbana. On n'a rien en main de départ. On va séparer les gobelins dans le fond. On va archer magique sur ça. Zappy? Je vois pas d'autre deck à part Zappy avec un rage et une armée de squelettes. Géant Zappy Horde. Okay, on va partir comme ça. Ok, hop, pas pour tuer la Horde. Je sais pas trop ce qu'il a en main, il a peut-être les gargouilles aussi. Ok, on va rapprocher le sorcier pour le tuer. C'est pas mal. Généralement, les dégâts armes squelettes sont des bons match-up pour double flux. On va voir si ça se confirme. Sorcier, géant, horde, rage. Sûrement un Zappy. Ok, BBE, on va gobelin en milieu. D'accord. C'était un beau pré-shot de sa part. On va partir fait squelette. Après, il a plus de rage et il a plus de flèche. Hein. On sait qu'il va sûrement armer de squelette là. Il a préféré pas la mettre. Ok. Alors, chez fond de map, c'est toujours un bon play. Mettre mineur au pont. Ok, tour à bombe. Colis. Ok, on s'en sort pour l'instant. Parfait. Fuyez gobelin pour mettre la pression. Tour à bombe. Colis. On met la capa du maître mineur aussi. Tornade, gobelin. On peut remettre une tour à bombe défensive, ça va être le GG. Let's go. On est reparti contre Rosé. Clan québécois. On va partir double flux. On va défendre ces gobelins avec des gobelins. Mortier. Les gobelins devraient tanker. Parfait. Du coup, mortier. Soit mortier cycle, soit mortier cochon séisme. Pas des bons match-up, mais bon. Ouais, Rennes, ça va plutôt être un mortier cycle du coup. On va aller Kappa. Parfait. Et colis. Parfait. Ouais, du coup, même si la charrette tue l'archer, le poison le tue déjà, donc c'est pas très grave. On a réussi à brain, il y a un gobelin qui va mettre 2 ou 3 coups. C'est pas si mal. On peut partir gobelin dans le fond pour pré-shot un mineur. Ok, mettre mineur sur la Valkyrie. Archer pour tuer les gobelins. Ouais, Kappa, parfait. Tour à bombe défensive. On va fuir squelette. C'est là le problème.
On va tanker ça comme ça. Ouais. Archer. Ok, il va sûrement Valkyrie. On va retanker avec un maître mineur au milieu. Il a plus rien pour le fût à squelette. On va repartir tour à bombe défensive. Colis. Ok, il va partir poison. On a un colis gratuit ici. Parfait. Et le problème, ça va être ça. Ça va être le grattage là. Archer. Fuyez gobelin un peu sur le côté. Ouais. On a un bon archer là. Ah, Kappa. Le problème c'est ça. Quand il met un poison, je peux plus le défendre. Attention, maître mineur à gauche quand même. D'accord, bon, le maître mineur à gauche. Hein. Archer magique au pont. Parfait, c'est GG. C'est pas très mérité. On est reparti contre Bilzabu. Péruvien. On va partir fût à squelette au pont. Beau placement tornade. Ok. On va tanker le maître mineur avec des gobelins. Il n'y a plus de fuyez barbare, on va partir fuyez gobelins. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de tornade. On va Kappa, on va le mettre sur l'autre côté, il va devoir gel défensif. Tornade, ok. On va l'activer la tour du roi. Tout pas mal ce début de game. Pour repartir en fût à squelette. Ouais, il y a quelques placements de troupes à revoir en face. Hein. On va défendre avec archer et maître mineur. Ok. On va tenter un push ballon. On va cap avec le maître mineur, comme ça il peut pas gel en attaque. Enfin il peut mais. Reparti contre Ergeta. Double fion va en main de départ, on va pas se priver. D'accord, beau misclic. On va activer la tour du roi. Artificière fantôme. Je suis pas du. Un deck foreuse peut-être. Chevaucheur de cochon évidemment. Pourquoi chercher compliqué quand il y a une condition qui domine tout avec le cimetière. Le chevaucheur de cochon. Ok, on va partir maître mineur sur le Dark Prince. Ok. Kappa du MK. Ouais. Je sais pas s'il a un truc pour défendre là.
Fantôme. On va archer magique et colis. Ouais, rajouter les gobelins. Ouais, ça va, on s'en sort. Je sais pas s'il a beaucoup de. Je pense pas qu'il y ait grand chose pour double fût du coup. Hein. Parfait, on va juste tornade. J'ai encore un peu de mal avec les timings tornade. Hein. Mais bon. Ok, on va laisser Dark Prince taper. Ça va égaliser les tours. On va aller tuer l'artificière. Ok. Ouais, on va essayer de défendre ça comme ça. Il a un séisme en plus. Ouais. Oh, le MK qui a quand même tapé. Ah oh, putain. Ça va être vraiment chaud. On va repartir double fût. Le problème, c'est qu'on a rien pour tuer ce MK. Hein. Colis. Trois bombes. Ok. Ça va, défense est plutôt propre. Ouais. On va partir en poche double fût. On peut partir colis royal son Dark Prince. Je sais pas trop pourquoi il est parti MK à fond de map. On peut partir archer au pont. Let's go. Il est reparti contre Angel. On va partir en fût à squelette. Mamie sorcière. GR sûrement. Ouais. Ok, à partir fuit à squelette, fuit à gobelin dans le fond. Archer magique au pont. S'il a sa BDF, il va devoir la mettre. Car mineur. Ok. Colis tornade. Gobelin ici. Ouais. Ça a juste l'air d'être un deck spawner spam en fait. Pourquoi pas, hein? Gobelin lance sont forts. Mamie est plutôt pas mal dans la méta. Roi squelette est plutôt fort. Le fût squelette c'est pas ouf, mais bon. Dans un deck comme ça, ça. C'est comme dans double fût, hein. Le but c'est pas que le fût squelette soit fort, c'est de gâcher un sort. Ok, parfait, on a réussi à pré-shot le mineur. On va voir ce qu'il fait, on va partir chez Gobelin ici. On va capa aller tuer la mamie sorcière. Ok, il a des flèches en plus. Gobelin. Il va peut-être cabane de Gobelin défensive. Non. On va activer la tour du roi. Parfait, maître mineur pour tanker. Archer magique au pont. Ah, il va peut-être flèche, ouais. Il va sûrement kappa. Non, même pas. On va partir en tour à bombe défensive. Je vais éviter de jouer mon fût à squelette étant donné qu'il a la mamie sorcière. Ok, c'était la. C'était une horde. C'était pas la meilleure horde, mais bon.
On va retour à bombe. Archimagique au pont. Tornade. Kappa. Retour à bombe défensive. Bon, normalement, on a la défense contre son deck. Hein. Je vais laisser mettre un mineur pour tanker. Jusqu'au lit royal. Ok. Oui, il a rage quitte. Let's go. On va finir cette vidéo à 1638 elo. Je suis actuellement top 4300. Bon, j'ai pas mal des rushs, je teste aussi des decks sur le début de méta. On va voir où ça nous mènera. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.